Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va tout simplement tester un deck. Alors c'est pas un deck qui a l'air vraiment d'être chaud patate, tu vois, mais on va tester quand même. Donc du coup, dans un premier temps, on va voir un petit peu pourquoi j'ai mis les troupes. Et après, on se fera une petite attaque en live, on va dire, enfin en direct après quoi. Et après, je ferai trois petites attaques de mon côté que je mettrai en description, et puis voilà. Donc du coup, on a le géant qui lui va tanker, hein, il va tanker de chez tanker. On a la Valkyrie qui elle va faire des dégâts de troupes de ouf. Qui est résistante en plus comme jamais, ça c'est pas mal. Après on a la horde de gargouilles qui elle est aérien et qui peut défoncer du ballon, du géant, du cochon, des barbares, tout ce que tu veux, mais comme il faut quoi. Le truc c'est qu'il suffit des flèches et boum c'est fini, mais bon, normalement, ou même le zap, hein, ou même l'électrocution, c'est boum c'est fini, mais... Enfin, fini, entre guillemets, parce qu'elle meurt pas non plus du premier coup. Mais, voilà, c'est vite fait, quoi. Généralement, ça passe. On peut, comme utiliser en défense, ça passe bien. Donc, du coup, chauffeur de cochon, qui, lui, va direct aller voir la tour. Et si, en plus, on met de la Valkyrie devant, ça fait un combo de ouf. Valkyrie-cochon, c'est limite indispensable. C'est limite indispensable. Voilà, donc, du coup, électrocution. Si tu mets de la Valkyrie, tu mets forcément du cochon. Si tu mets du cochon, tu mets forcément de la Valkyrie. Sinon, ça ne sert à rien. Non, je déconne, mais c'est franchement mieux, quoi. Donc, électrocution qui, lui, n'est pas très puissant, certes, mais il coûte que 2 élixirs, ça, c'est pas mal. Et ça nous permet de ralentir l'ennemi. Tu mets ton électrocution, boum, ça ralentit l'ennemi. Et puis, c'est nickel. Imaginons, t'as une tour de l'enfer. Boum, t'as ton géant qui va vers la tour de l'enfer, tout ça. Merde quoi, il va se faire défoncer. Et bah là, boum, tu mets ton électrocution, ça le remet à zéro la tour de l'enfer. Tu vois? Donc du coup, il prend moins de dégâts le géant. Enfin bon, je sais pas si tu m'as bien compris, mais si tu connais la tour de l'enfer, tu sais comment elle fonctionne, tu m'as compris. Gobelin, niveau 8. Gobelin niveau 8, bon ça c'est pas un problème, mais gobelin malgré tout, ce qui va nous permettre de pouvoir défendre contre le cochon par exemple, ou des petites troupes de sol, ou même de faire un maximum de dégâts sur la tour ennemie. Par exemple, imaginons... T'as pas de cochon, tu te dis bon, allez, je vais tester du Valkyrie gobelin. Pouf, la Valkyrie qui se fait emmener super vite à la tour, et là vous défoncez à mort la tour et tout. Le mec il a pas le temps de défendre, et ça c'est génial. Bon, il a le temps, hein, mais imaginons il défend pas à temps, bim, hop, tu te défonces tout. Bébé dragon, qui lui, bah à la base je voulais mettre des gargouilles. Je me suis dit bon, ah, on en voit beaucoup des gargouilles, on a déjà une horde de gargouilles. Allez, on va tester le dragon, on va voir ce que ça donne. Et bim, j'ai mis ça. On verra bien. Voilà, donc du coup, après j'ai mis de l'archer pour défendre l'aérien, tu vois. Poum 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 poum, tu vois, pour défendre bien l'aérien. En plus, elles sont résistantes comme jamais, c'est parfait. Et donc du coup, moi je vous dis à tout de suite pour attaquer. Allez, c'est parti. Boum, hop là. Allez, je vous ai dit à tout de suite. Hein, je vous ai pas dit dans un instant, je vous dis à tout de suite. Eh ouais. Bon là par contre, on est contre un niveau 9, c'est un peu chaud patate. On est contre un niveau 9, c'est vraiment chaud. Parce que je peux te dire que le niveau 9, on va se faire défoncer. On va bien se faire défoncer. Bon, c'est pas très grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer notre horde de gargouilles. Bah, pourquoi il envoie ça lui alors qu'il y a ma horde de gargouilles? Enfin bon, c'est pas très grave. On envoie notre cochon. Si jamais, on sait jamais. Si jamais se fait quelque chose, ok, boum, extruction. Pouf. C'est génial, regardez-moi ça, dès le début on commence bien. Oh, on commence super bien, c'est génial. Bon, je pensais faire plus de dégâts que ça, mais... Quoique si, c'est bon. Voilà, c'est exactement les dégâts que je voulais faire, minimum. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du bébé dragon. On va mettre du géant. Du géant qui devrait... Ah, malheureusement, non. Bon, c'est pas très grave, on va mettre des gobelins. On va mettre... Oh, des gobelins qui sont parfaits, regardez-moi ça. Oh, mais là, mais je suis un... Ah ouais, le dragon qui est mort. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. C'est génial. Bon, j'ai eu de la chance, hein, j'avoue, mais bon, malgré tout, c'est génial. Oh, regardez, on va se faire notre fameux Valkyrie cochon. Il va rien comprendre. Allez, c'est parti, Valkyrie cochon. Boum. Valkyrie cochon. Vas-y. Hop là. On va préparer notre électrocution. Vous voyez, l'électrocution, il sert trop. Hein. Regardez ça. Boum. Hop là. Nickel. Vous avez vu comment il sert? Mais vous avez vu? Mais non, mais... Oh là 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 là. Et puis là, bien sûr, il y a toujours le délire. Ouais, mais à chaque fois que t'as électrocution dans le pack opening, et bah tu dis, oh, c'est quoi cette merde? Parce que les gens, ils exagèrent toujours, toi. Je dis pas c'est quoi cette merde, mais je dis, oh, putain, encore une électrocution. Quoique si, je dis peut-être ça, mais bon, on s'en fout. Donc du coup, oh, c'est quoi cette merde? À chaque fois, tu trouves que c'est nul, tout ça, et toi, tu l'utilises comme ça, et tu dis que c'est trop bien. C'est quoi ce délire? Bah, tout simplement parce que c'est nul, parce qu'il fait pas de dégâts, c'est tout. Mais c'est vrai que... par rapport au fait qu'il ralentit l'ennemi, ça c'est pas mal. Et donc du coup, bah voilà.
Je fais ce que je veux, de toute façon, là, dit, oh, c'est bon, je fais ce que je veux, hein, qu'est-ce que tu me saoules. Donc, du coup, ce qu'on va faire, on va mettre ça. On va mettre du géant cochon. Ouais, du géant cochon, ouais, t'as jamais vu ça de ta vie, mais bon, c'est pas très grave. On va mettre du géant cochon. Franchement, t'as jamais vu ça de ta vie, c'est pas possible. Me dis pas que t'as déjà vu ça dans ta vie, parce que c'est pas possible. Géant cochon, ça existe pas. Donc, hop, on va faire ça, boum, hop là, nickel, on se fait plaisir. Allez, on se fait plaisir à l'aise. On se fait plaisir à l'aise. Ce qu'on va faire, c'est que on va se faire plaisir et on va mettre ça. On va mettre, hop là, on va attendre un petit peu. Oh non, il est pas mort. Non, il est pas mort, il est pas mort, c'est pas bon ça. Ça, c'est pas bon pour moi ça. C'est vraiment pas bon pour moi. C'est pas très grave, il a que du oh là 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 là. Ouh là 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 là. Bon, c'est pas grave, on met du géant. On met espèce d'enfoiré. Oh là, cet enfoiré. Oh, cet enfoiré. Bon, c'est pas très grave, on va mettre du cochon. On va mettre hop, l'électrocution. Du bébé dragon. Je sais pas quoi mettre, les gars. Je sais vraiment pas quoi mettre. Ok, c'est parfait, il a mis ses machins. Ok, on va mettre des archers, je pense. Ouais, les archers. Oh oui, mais c'est bon, regarde, là on se fait la taf. Là on se fait le taf, les gars. Oui. Non, on fait pas le taf. Dommage. Bon, c'est pas grave. Valky cochon, c'est parti. Valky cochon direct. Hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite électrocution. Oh bah non, finalement non. Pas besoin. T'as vraiment cru que t'allais réussir à défendre contre ça? Ah bah toi tu m'as cassé ma tour avec le cochon, hein. Moi je me suis pas privé. Hein. Voilà, nickel. Super combat. Et puis bonne chance pour la suite. Allez, franchement, alors là j'ai envie de te dire, mais j'ai fait un truc génial. Mais aussi il faut dire qu'il avait pas de... Il avait pas de d'électrocution, il avait pas de flèche. Tu vois, il avait pas tous ces trucs là qui pourraient me contrer, ni des tours. Les tours, mais c'est... Ah, c'est mort. T'as une tour en face, tu ne gagnes pas, c'est pas possible. On a que des trucs qui vont sur les tours, et des trucs qui vont mourir super simplement avec les tours. Non, généralement, non. Non, je pense pas. Pop. Peut-être une tour à bombe. Et encore, hein, je suis perplexe. Bon, en attendant, on s'est fait une petite attaque plutôt sympathique. Donc avec ce fameux deck, hop là, celui-là là, oh là 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 là, un petit deck, tranquillou. T'as vu, ça met les couronnes dans le deck. Voilà, donc un petit deck, bon, enfin, je dis fameux deck comme si c'était un truc de fou, non, c'est pas super génial. Mais il y a moyen de faire quelque chose grâce au Valky Cochon et un peu au Gobelin, tout ça, enfin un petit peu tout réuni, ça fait quand même un truc super sympathique. Du coup, moi je pense que je vais essayer sur ce. Je vous dis à une prochaine vidéo, je vous dis ciao, et puis aussi, si vous voulez voir d'autres attaques, si jamais le deck vous plaît et que vous voulez en savoir plus, voir un petit peu si finalement il est plus nul que ceux qu'on pensait ou pas, et ben vous allez en description, il y a 3 petites attaques pour vous, et puis voilà. Du coup moi je vais essayer sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo, je vous dis ciao, et puis n'oubliez pas, restez cool.